Pizza Move, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis bien à la pizzeria de livraison à domicile. Oui, c'est bien ça. Oui, bonsoir monsieur. Je téléphone pour vous commander une pizza, mais c'est la première fois que je passe par un genre d'établissement comme le vôtre. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pour être sûr que ça va me plaire, parce que je suis de Toscane. Mais ce sont des pizzas italiennes en fait. Formidable. Et alors on a un peu de tout. Donc, un peu de tout? Oui, la margherita, c'est la plus simple. Oui, ça je la connais bien, je connais tout. Est-ce que vous avez la pizza Michael Schumacher? Michael Schumacher, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que nous, on a d'autres noms. Ah, là, c'est celle avec la tomate. Tomate. De la mozzarella. Sauce tomate, vous voulez dire? Oui, la sauce tomate. Oui, mozzarella. Mozzarella. Et puis quatre petits morceaux de pepperoni que l'on met pour faire les quatre roues de la Formule 1. Oui. On met aussi un petit peu d'asperge verte pour faire l'aileron. Et on met une demi-tomate pour faire le casque avec un numéro 1. Ah non, ça on fait pas, non. Ah. Non, on fait des pizzas plus simples. D'accord, quoi? On fait par exemple... Vous avez des classiques? La chorizo, c'est la pepperoni, sauce tomate, mozzarella. Oui. Et pepperoni. Ça c'est formidable ça. C'est, oui. C'est la pizza Sofia Loren ça. Oui, si vous voulez. Oui, je le sais, parce qu'en 1973, lorsqu'elle a gagné au Festival de Venise, le Lion d'Or, à Venise, ils ont fait la pizza Sofia Loren. Oui. Avec deux petites boules de mozzarella dessus, un peu fondantes. Ah oui. Parce qu'elle était généreuse, hein. Oui. Mais je l'aime pas. Ah, mais qu'est-ce que vous aimez bien? Je peux peut-être vous conseiller. Alors. Oui, la pizza Popeye, vous l'avez? Popeye, on ne fait plus, monsieur. Ah. C'était celle avec les épinards. Des épinards, oui. On ne fait plus, on fait plus ça. D'accord. La Pinocchio, vous l'avez? La quoi? La Pinocchio, avec les longues, les carottes comme ça. Non. Comme un... Non, on n'a pas ça. On ne fait pas de carottes, non. Ah. Qu'est-ce que vous avez comme personnage? Mais on n'a pas de personnage. Va comme pizza. Ben, on a par exemple 4 fromages. Oui, ça c'est avec 4 fromages. 4 fromages. On a la paysanne qui est très bonne. Ah ça, nous on l'appelle la Monica Bellucci parce qu'elle est très bonne. Oui, champignons, oignons, jambon, sauce à l'ail. Champignons, nous ça c'est la pizza Berlusconi parce qu'on considère que c'est un champignon. Alors, qui aime la pourriture. On a la 4 saisons, artichaut, jambon, oignon, champignon. Ça c'est la, pour nous c'est la Eros Ramazzotti parce qu'il chante bien toute l'année. Oui. Alors sinon, on a la napolitaine. Napolitaine, ça c'est la Rocco Siffredi parce qu'elle est forte. Oui, sauce tomate, mozzarella, anchois, caprolive. Mm. En fait, c'est la même pizza que je connais, mais ça a des autres noms chez vous. Ben oui. Sinon, si vous aimez les lardons, on a la Miss Piggy. Les lardons, ça c'est la pizza blabla. Oui, sauce tomate, mozzarella, lardons et un jaune d'œuf dessus. Mm. C'est mieux dessus qu'à côté, hein? Oui, c'est sûr. Enfin, écoutez, ça dépend de vos goûts. Hein. Moi, je, si vous me dites des ingrédients, je peux vous conseiller une pizza, mais... Oui. Oui. Le mieux, peut-être, c'est que je passe à votre établissement, que je regarde un peu ce qu'il y a. Oui, regardez, passez. Les cartes sont là, avec tous les ingrédients détaillés. Vous habitez tout près d'ici? Oui, tout près, dans la rue derrière vous. Eh bien oui, ben, vous passez. Oui, c'est peut-être le mieux. Vous avez la pizza Mickey? Mickey? Mm. Non, mais nous, on ne fait pas dans les stars, hein, parce que vous êtes assez vedette comme ça. Hein. Ben, parce que nous, on aime bien en Italie quand les pizzas elles ont des noms de personnes qu'on connaît. Ah, ok, oui. Mais écoutez, monsieur, si vous voulez, vous passez, vous jetez un coup d'œil. D'accord. Voilà, vous verrez bien. Ça va, je vous remercie. Soirée, hein. Oui, ben, tout de suite, hein, au revoir. Oh, excusez-moi. Aïe, je me demande s'il avait la pizza Bugs Bunny, avec les grandes oreilles.